Et yo les gens, c'est DiaboloFi35, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va très très bien puisque voilà aujourd'hui ma copine Léa est présente dans cette vidéo. Et franchement voilà c'est pas souvent, du coup je vais en profiter et clairement ça fait plaisir. Coucou Léa, comment et ça oui, va? Coucou, ça va et toi? Bah ça va très très bien, franchement moi ça va pour le mieux puisque tu es là aujourd'hui. Du coup voilà. Alors je vous fais un petit résumé en fait rapide de ce pourquoi je commence cette vidéo. C'est très simple en fait, Léa déjà voilà c'est pour ça aussi que je suis content, m'a fait la surprise tout simplement de venir aujourd'hui passer la journée avec moi, Clarisse et Tom. Alors j'ai expliqué un petit peu pourquoi on est juste nous. En fait ma copine voilà vous savez elle travaille énormément, c'est pour ça qu'elle est pas souvent là dans ouais, la vidéo. Ouais, c'est une grosse bosseuse. Voilà elle bosse énormément, genre son métier de tueuse à gages hein. Ouais. Qui est un petit peu voilà. C'est un peu je mettrai d'ailleurs le lien de cette vidéo où en fait j'avais découvert un petit peu son métier caché de tueuse à gages. Eh bien je vous mettrai à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo pour voir pour cliquer dessus. Et en gros du coup voilà elle est fortement occupée par son travail. Et là, m'avait le plaisir d'aujourd'hui de venir, tout simplement parce que Tom déjà avait pas école. Genre, en fait, il avait pas école tout simplement parce que sa prof était absente. Et Clarisse, il est là. Alors, Booba, je sais pas où est-ce qu'il est passé. Clarisse, t'as une idée d'où il est, Booba? Bah, je l'ai enterré dans le jardin. Ouais, non, il est hardcore toujours. Non, non, non. Ça va pas? Non, non, mais ouais. Je sais que tu les vois pas souvent, du coup, les doudous, Léa, mais genre. Ouais, Clarisse et Booba, ils sont un peu foufous à maintenant. Chaque fois que je les vois, ça. Ouais. Pareil. Ils sont devenus assez foufous. Bon, bref, voilà, j'ai beaucoup parlé. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet et ce pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alors, tout simplement, voilà, Léa m'a fait la surprise de venir aujourd'hui. Et en arrivant, elle m'a dit, allume ta caméra, tu vas voir, je vais te faire vivre franchement un truc très cool pour tes abonnés et toi, ça va faire une très bonne vidéo. Donc je lui ai dit, bah vas-y, je te fais confiance, et donc voilà, c'est un petit peu ce que tu m'as dit. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, donc elle m'a dit, voilà, ça va, tu vas voir, allume ta caméra, on va faire un truc trop lourd, ça va être très cool pour la vidéo. J'ai une surprise. Du coup, voilà. Bref, si tu me découvres sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. D'ailleurs, même si tu me découvres pas, parce que je sais que vous êtes 60% des gens à regarder mes vidéos qui sont pas abonnés. Genre, c'est incroyable. C'est-à-dire, il y a 60% d'entre vous qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Et franchement, vous abonner, voilà, c'est super important pour ne louper plus aucune des prochaines vidéos. C'est comme ça que vous pouvez louper des vidéos à moi, en fait, si vous êtes pas abonné. Donc, créer un compte YouTube, franchement, ça prend 5 minutes, tout ça. Bon, sauf si vos parents sont pas d'accord, je comprendrai totalement. Et du coup, bah, vous pouvez continuer de regarder mes vidéos comme ça. Mais voilà, en plus, si tu t'abonnes, tu feras partie de la Team Zombie. Et la team zombie c'est qui? C'est tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Du coup là si tu veux faire partie de la team bah il faut s'abonner. Et si tu veux plus de vidéos avec ma copine, parce que voilà elle va être là un petit peu, je pense qu'on va la voir un petit peu plus souvent dans les vidéos prochainement, mais ça dépendra de vous aussi. S'il y a 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, je refais plus de vidéos avec ma copine, dont même je peux même faire carrément la prochaine hein, genre avec elle. Ouais. Du coup voilà, s'il y a 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, bah voilà, parce qu'elle a un peu moins de taf en ce moment, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Ok, ça marche. Coronavirus. Ah, ouais, bon, on n'est pas trop touché dans Minecraft, hein, genre dans notre ville, on n'est pas confiné et tout, mais c'est vrai qu'il y a ça, du coup, il y a un peu moins de travail. En fait, les gens qu'elle doit tuer, bah ils se font tuer par le coronavirus, quoi. Bah ouais. C'est tellement glauque. Bon, du coup, Clarisse et Tom, vous êtes prêts aussi pour la petite vidéo là? Oui, papa, ouais. Ok, ok. Oui. Bon, bah tant mieux alors. Bon, du coup, tu voulais m'emmener à un endroit? C'était ça, hein, donc oui, tu m'as parlé. Oui, c'est ça. Ok, ok. Du coup, bon. On y va. Ok, on y va. On y va en voiture ou genre on y va à pied? Non, non, on y va à pied quand même. On y va à pied? Vas-y, vas-y, ça marche. C'est à côté. Ok, bon bah si c'est à côté, alors on y va à pied. Vous me suivez? Ouais, vas-y, on va dessus, on va dessus. Allez, on y va. Oui. Ok, ok, bon bah on va la suivre alors. Let's go. Let's go. Bon, j'espère en tout cas les abonnés que vous êtes vraiment contents parce que c'est vrai que vous l'avez réclamé depuis pas mal de temps et puis voilà. Alors le prochain épisode aussi d'ailleurs, voilà, il y a eu les 10 000 pouces bleus sur l'épisode du babysitter. Du coup, clairement, le prochain épisode sera tout simplement... Wow! Qui c'est qui m'a frappé là? C'est Clarisse, ça, bah, je suis sûr. Je m'en fais plus. Ouais, comme ouais. Ouais, comme d'habitude. Mais hey, la violence, toujours Clarisse, hein, c'est pas bien. Et du coup, ouais, je disais, le prochain épisode, on emmènera Tom, Clarisse, peut-être Booba et Juliette en tout cas, au psychologue. Voilà, après ce qu'ils ont vécu avec le babysitter, je pense que c'est important. Puis je pense que ça va être une vidéo assez marrante aussi, parce qu'à mon avis, la psychologue, elle peut partir vite en dépression quand elle va voir mes enfants. Elle va et se voilà, dire, mais c'est quoi, c'est fou. Du coup, voilà. Bon, je pense qu'il y en a encore pour un bout de temps ou quoi? Non, non, on arrive là. On arrive là? Ok, ok. Bon, bah, on va continuer alors. C'est de l'autre côté, non? Ouais, c'est de l'autre côté, ouais. Ok, ok, ça marche. Bon, vas-y, alors, on va y aller. Courez, courez. Ok, ok. Je suis plus rapide. Ouais, le petit Clarisse, c'est vrai que t'es... Normal, t'as des petites jambes. Bah c'est... Bah ouais, normalement, quand t'as des plus grandes jambes, quand même... Ouais, mais si, parce ça va un peu plus vite, genre. Bon, on arrive bientôt, là, parce que genre... Non, mais oui, oui, promis, on arrive bientôt. Ah, papa, papa. Qu'est-ce qu'il y a, Tom? Regarde, il y a plein de Georgina. Ah oui. What? Oui, je l'ai pété. Wow. Attends, mais... Famille. Attends, mais... C'est la famille. Oh, Clarisse, Clarisse, Clarisse. Eh, mais c'est... Eh, Clarisse, Clarisse, Clarisse. Ah, bah, les Georgina. Stop, stop, stop. Attends, il reste plein. Georgina. Mais si, regardez, il en reste plein. Regarde, il y en a dans toute l'allée, là, des Georgina. Eh, hey, mais, Clarisse, okay. Arrête ça tout de suite, là. Eh, hey, mais attends, mais, c'est des familles de Georgina. Ah, mais j'avoue, c'est plein de Georgina, en fait. Oui, papa.
tu veux... Non, non, arrête, Clarisse. Hé, hey, Clarisse, franchement, si tu continues comme ça, tu vas rentrer à la maison et tu regardes pas le truc cool de que Léa va nous montrer. Hein. Oh non, mais je veux le voir. Oui, bah du coup, faut arrêter de casser les Georgina. Bon, ok. Oh, il a qu'est-ce qu'elle fait là, la voiture ici? Eh, faudrait. Oh, y a pas d'essence dedans. Oh, c'est une voiture abandonnée. Oh, mais j'aime pas. Oui. J'aime pas ça dans le quartier. Il faudrait les ranger, genre. Enfin, ranger plutôt garer, parce que ranger une voiture, ça se dit pas trop. Bon, du coup. Ah, là, tu reviens. Ah oui, c'est vrai. Non, mais oui, vous m'avez pas suivi. Ah bah ouais, c'est vrai qu'on. Bah en même temps, on a quelques petits contretemps, voilà, avec George. Caris, je t'ai déjà dit quoi là? Ouais, ça. Mais c'est pas moi, c'est pas moi. D'ailleurs, dites-moi. Ah, oh, Caris. Ok, eh, bon, allez, on suit Léa là. Et arrêtez de vous battre. Allez, on arrive bientôt là. Ouais, parce que là. Encore 15 mètres. Les deux petits relous là. Bon, allez, let's go. Hop. Voilà. Okay. C'est ici, à vendre, oui. Mais c'est une maison à vendre. Oui, c'est une maison à vendre. Bah attends, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Bah en fait, c'est une cachette. Ouais. C'est une cachette? Une cachette, ouais. Secrète. Une cachette genre. Une planque quoi? Ouais, une planque en fait. Ah ouais? Pour mon métier. Wow, ouais, trop stylé! Et du coup, ça t'appartient genre? Bah oui, c'est à moi. What? Mais attends, mais t'as une maison genre dans notre quartier qui t'appartient? Mais ouais, c'est trop stylé en fait. Et du coup, je mets le panneau à vendre devant pour pas que les gens se doutent qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. Ah, ok. Ouais, okay. Du coup, on rentre. Mais du coup, genre. Enfin, t'es pas souvent là-dedans quand même? Bah en vrai si hein. Ah ouais? Mais genre... Bon, de temps en temps. Ah ouais, c'est grand. Ah c'est grand, mais c'est un peu genre... C'est un... Comment on dit? Rustre, moche, je crois. C'est pas moche. On dit comment? Ouais, rustique, voilà, ouais, c'est un peu... Voilà, c'est une vieille télé genre, une vieille cuisine un peu. Ouais. Bah après t'en fous vu que c'est pas... En fait, je m'en sers pas. Un petit étage et tout quand même. Ah, c'est stylé. L'étage et tout. Ah, c'est particulier genre. Là, c'est là où on voit ses missions. Ah, non mais venez voir. Papa, viens voir. Ah ouais, t'as une petite carte etc avec tes missions tout ça. Stylé de ouf. Ok, nice. Du coup tu voulais nous montrer quoi d'exceptionnel, c'était ça? Non, c'est en bas. C'est en bas? Ok, c'est nice. Bah en tout cas c'est déjà super cool ça. Hein. Je pense que les abonnés vont kiffer. C'est un endroit très caché. Franchement c'est bien cool. Et là, quoi, bam. What? C'est quoi ça, Jean-Léa? Bah vous pouvez descendre. What? Mais c'est... Eh ouais. What? Oh, c'est moitié flippant ton machin là. Bah je travaille ici en fait. Et tu travailles avec quelqu'un d'autre du coup? Non, je travaille toute seule. Et pourquoi il y a deux chaises? Bah parce que il me faut deux ordi. Ok. Oh, bah deux ordi, veut pas dire forcément deux chaises. Bah non, mais pour poser mes affaires et tout quoi. Ok, mais ça marche. Ça sert à quoi? Et si en fait c'est un laboratoire où je fais des expériences sur mes victimes. Quoi? Ok. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est impressionnant. Ah ouais, d'accord. Bon, j'espère que tes victimes, c'est quand même des méchants parce que... Oui, c'est des gens comme ça. Wow, ok. Bon, t'inquiète. Et tu fais quoi là? Pourquoi tu sors ton bâton? Non, mais t'inquiète. Ah ouais, ok. Tiens, prends ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Prends ça. What? Mais qu'est-ce que... Ah! Aïe. Ah. A few moments later. Oh. J'ai mal à la tête. What? Attends. Ok. Il est où Caris? Il est pas avec nous? Il est où Caris? Caris? Attends mais Léa, mais qu'est-ce que t'as fait? Caris? Bah, rien. Caris. Ok, il est là. Caris. Allez, réveille-toi. Oui. Léa, qu'est-ce que t'as fait? Non mais rien. De quoi non mais rien? Bah vous êtes enfermé dans ma cage quoi. Non mais attends, c'est quoi ce délire? Genre c'est pourquoi on est enfermé dans ta cage genre? Bah parce qu'en fait depuis que je suis avec toi, j'avais un seul et unique objectif, c'était de faire des expériences sur les zombies. Et du coup, quoi, bah, mais toi t'es un zombie toi? Du coup je vous ai capturé. Et mais je voulais que... Mais oui, mais j'allais pas faire des expériences sur moi en fait. Mais c'est quoi ce genre d'expérience? Bah vous verrez. Des expériences quoi? Génétiques? Des trucs comme ça? Bah des expériences pour voir comment vous réagissez face par exemple à la foudre et... Quoi? Mais attends, mais c'est quoi ce délire? À la genre, noyade. Léa, non mais t'es sérieux? Non mais Léa, non mais... Non, c'est des expériences, je vais pas vous tuer. Non mais attends, mais c'est horrible en fait ce que tu viens de faire là. Tu viens de me dire que en fait depuis le début t'es en couple avec moi pour faire des expériences sur les zombies genre. Bah en gros oui. Non mais t'es sérieux? Mais wow. Oh, je suis tellement choqué. Bah de toute façon vous pouvez pas sortir ni rien là. Vous êtes obligé de subir hein. Non mais vas-y, mais là je suis tellement choqué les abonnés, enfin genre... Putain mais comment tu peux me faire ça en fait? Je suis tellement genre triste, c'est pas possible, genre comment tu peux faire ça? Bah non mais tu vas t'en remettre en vrai. Pff, ok, je suis dégoûté de ce que tu viens de faire. Elle était pas faite pour toi. Ouais bah je sais pas, c'est bizarre. Bon on s'entendait bien, c'est dommage mais bon...
Mais t'es sérieuse, mais en plus, mais tu parles vraiment au genre. Le travail passe avant tout. Ouais, bah ouais, je vois ça. Au moins, j'ai réussi mon objectif. Hein. Ouais, bah ouais. Je suis plutôt fière de moi. Bah ouais, je vois ça, mais bon, vas-y. En plus, j'ai récupéré une peluche. Et du coup, ça, je suis fière. Ah, du coup, tu vas pouvoir faire des dépenses sur lui aussi. Ouais, je vais essayer. Je vais trouver des trucs. Carrie, je te dis pas de la tuer, mais vas-y, je suis quand même très énervé contre elle. Hein. Bon, bah, du coup, j'y vais, je vais préparer des trucs. Quoi? Mais non, mais tu peux pas nous laisser ici. Mais non, mais tu peux. Attends, Carrie, viens, viens. Carrie. Attends, c'est du double vitrage. Ah ouais, ça a l'air d'être même du quadruple vitrage, genre. Oui. Vas-y, essaye de. Eh, mais toi, tu peux pas passer, genre là, par là, petite... Par ici, j'ai pas d'énergie. T'as pas d'énergie? T'arrives pas là? Non, j'arrive pas. T'arrives pas à t'énerver? Purée, comment on va faire, genre? Comment on va faire? Non, mais c'est quoi ce délire, genre? Je m'y attendais tellement pas, en fait. C'est quoi ce retournement de situation de ouf, genre? Il va se passer quoi? On va prendre quoi? On va prendre des... Elle veut tester la foutre sur nous, c'est quoi ce délire? Bon, les abonnés, écoutez, là, je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Apparemment, on peut rien faire, genre, je vous reprends dès qu'on a un truc qui est possible à faire, genre. Mais là, je vois pas ce qui est possible. Karis, tu peux pas passer là, genre, moi, je suis trop gros, mais... Ah si, si. Non, c'est pas possible, genre, hein. Ok, bon, les abonnés, je vous reprends une fois que ma copine est là et qu'elle commence ses expériences. Genre, je sais pas, ça va être... C'est bizarre. Bon, bref, on se retrouve dans un instant. Et les abonnés, quoi, l'air descendu, j'espère que ça va pas être trop long. Voilà. Ouais. Donc, j'ai préparé tout ce qu'il fallait. Tu sais, tout à l'heure, tu me demandais pourquoi j'avais deux chaises. Bah, en fait, c'était pour toi et Tom, ces deux chaises électriques. Non, mais tu sais... Mais what? Non, mais attends, mais tu... Non, mais c'est pas possible, là. J'avais pas prévu... Tu me fais une blague. Non, vraiment. En vrai. T'as peur? Non, mais c'est pas possible, genre, comment c'est possible? Enfin, je suis tellement... Non, mais je rigole! Wow, mais attends! C'était une grosse blague, vraiment. C'était une grosse blague! Mais attends, mais comment tu vas nous faire ressortir d'ici? Genre, ah ouais, bah, ok! C'est facile, hein. Wow, mais t'as trop de force, comment t'es... Non, mais ça se perce pas de l'extérieur, en fait. Ah ouais! Ah, de l'intérieur, enfin, de l'intérieur. Attends, mais tu sais, c'était un prank! Bah oui! Mais attends, mais pourquoi j'ai jamais ce prank là? T'as vraiment cru que j'allais te faire ça? Non, mais attends, toi tu reviens, t'es pas souvent là dans mes vidéos et tu me fais un énorme prank genre comme ça! À chaque fois vous faites que des pranks, du coup bah moi je voulais le faire aussi! Wouah! Mais vas-y! Oh, c'était drôle quand même, non? J'ai un peu flippé! Bon, il y a peut-être des abonnés, j'espère que. C'est pas drôle! Eh, dites-moi s'il y a des abonnés qui ont trouvé ça drôle! Bon, à la fin, genre, maintenant quand elle réagit. Je me ferai pardonner alors! Ok. Bon, bah écoutez. Oh, franchement, j'ai bien flippé les abonnés. Wow, j'avais le cœur qui battait à 200 là. Hein. Wow. Et cette salle, c'est pas du tout pour tuer mes victimes. Ah ouais, c'est pour guérir les plus fous. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Mais c'est quand même des victimes vu que t'es tueuse ouais, à gage. Mais oui, mais je m'occupe d'eux quoi. Ok. Et la deuxième chaise, du coup, c'est quelqu'un qui travaille avec toi, genre? Ouais, c'est quelqu'un qui travaille avec moi. Un docteur? Ouais, un docteur, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il s'appellerait pas le docteur V? Bah, comment tu sais? Non, mais what the fuck? Non, mais. What? Comment tu sais? Non mais attends, j'ai dit ça au pif, non mais attends, mais il y a trop de... Mais je te l'ai jamais okay. dit. Ok, bon les abonnés, je crois que... franchement, on va discuter avec ma copine. On va parler. Mais je pense que, franchement, dans les prochains épisodes, il peut se passer des choses très très cool. Genre, le docteur V qui connaît ma copine, tout ça, tout est en train de se rassembler là. Il y a beaucoup de choses là que je commence à comprendre, enfin, en tout cas c'est cool. Bon. Les abonnés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était franchement cool, moi j'ai trouvé un petit prank, le retour de ma copine, tout ça. Donc elle va revenir dans mes vidéos prochainement, je pense. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Un grand merci à Caris ainsi que Tom, voilà, qui ont deux petites chaînes YouTube que vous pouvez les checker en description. Donc voilà, bon, évidemment, ce sont des acteurs, du coup, voilà, ce sont les chaînes YouTube de ces acteurs. Donc voilà, je rappelle un petit peu, Caris, il fait des vidéos qui sont dans un style genre plus, et voilà, c'est des gros montages sur Minecraft toujours, hein, mais avec pas mal de trucs différents, genre ça peut être par exemple une télé-réalité sur Minecraft, donc ça s'apparente à du roleplay. Lui c'est Azibex, et lui c'est plus genre des vidéos roleplay un peu plus adolescent. Et puis aussi un merci à mon frère aussi qui jouait le rôle de ma copine. Bon, la voix est évidemment faite par ma copine, mais du coup il jouait le rôle de ma copine. Et du coup il a une chaîne aussi, mon petit frère, du coup voilà, je vous invite à aller le voir, sa chaîne aussi en description. Donc voilà, il y aura les trois chaînes en description. Voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde les potos, je vous aime et à très très vite.